Thank you.
Stop looking at the sky. You're aiming high. You're aiming high. We don't know what to say. We're all too shy. We're all too shy. Thousands of people move mountains without you. I'm sure that we'll make it through. Thousands of people move mountains without you. Stop acting like you're any more
Et bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 12h31, on commence pile avec, enfin pile non, avec 1 minute de retard sur le programme prévu pour ce lancement qui s'annonce, enfin non, pas qui s'annonce, qui est déjà historique, hein, puisque si tout va bien aujourd'hui, une Ariane 5 décollera de Kourou, du centre spatial guyanais, avec à son bord la sonde européenne JUICE, qui part à destination de Jupiter, qui, comme Ulysse, fera un long voyage. Le décollage est prévu à 14h15. L'image que vous avez actuellement est une photo. On attend les images en direct qui devraient arriver d'ici quelques temps, mais on va avoir le temps d'en discuter. On va avoir le temps de voir d'autres images d'ici pas trop longtemps. Pour le moment, tout va bien, que ce soit au centre spatial guyanais ou sur la fusée elle-même. Toutes les vérifications sont en cours, le remplissage de la fusée est en cours également, et on nous rapporte que pour l'instant, tout se passe bien pour l'instant, il n'y a pas de choses qui sont contraignantes. Si ce n'est peut-être quelques pluies intermittentes sur la Guyane en ce moment, on va surveiller ça. Évidemment, la météo est cruciale, on est sur un lancement d'une sonde dont on n'a pas de plan B, hein. Donc si on perd la sonde, on perd des années de travail. Évidemment, on pourra pas vraiment reconstruire une comme ça dans la seconde. Donc, forcément, c'est un petit peu tendu comme lancement. C'est également le dernier, enfin l'avant-dernier vol de l'Ariane 5, puisque l'Ariane 5 est très proche de sa retraite. Et du coup, il y aura un vol après celui-là, et l'Ariane 5 ce sera terminé. Elle sera remplacée à terme, on l'espère très vite, par Ariane 6 pour continuer l'aventure Ariane, qui court maintenant depuis quoi? Ouh, très longtemps. J'avais fait une vidéo sur les fusées françaises puis les fusées européennes. N'hésitez pas à aller la voir quand vous aurez le temps. Elle est un peu vieille, mais les infos y sont. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Bah, ce qu'on peut dire actuellement, qu'est-ce que c'est que JUICE? Eh bien, JUICE, je vais vous montrer un peu sa tête à la sonde. Voilà à quoi elle ressemble. Et vous voyez également les instruments qui sont embarqués à bord. Donc vous avez des instruments notamment français, mais pas que. Il y a beaucoup de labos français qui ont travaillé dessus, d'ailleurs on en reparlera. Mais vous avez un système de caméra optique, par exemple, qui s'appelle Janus. On a d'autres instruments de télédétection comme MAGIS, UVS ou SWI. Alors ouais, on est dans le spatial. Il y a beaucoup d'acronymes, c'est normal. Hein, c'est normal, les instruments n'ont pas toujours des noms très prononçables. Janus, ça va, mais MAGIS aussi. Mais UVS et SWI, c'est un peu moins. Voilà. Donc ces instruments, donc c'est de la capacité d'imagerie normale, on va dire, visuelle, enfin dans le visible, et de l'imagerie spectrale, donc vous savez, ultraviolet, infrarouge, tout ça. Donc ça, c'est vraiment pour l'imagerie. On a aussi un ensemble géophysique avec un altimètre laser qui s'appelle GALA et un sondeur radar qui s'appelle RIME, RIME, qui vont explorer la surface, mais qui vont aussi pouvoir scanner dans le sous-sol des lunes de Jupiter. On en reparlera tout à l'heure. Et il y a aussi une expérience radio-scientifique, ce qu'on appelle radio-scientifique, qui sonde les atmosphères de Jupiter et des satellites pour mesurer les champs de gravité. Donc vraiment, c'est vraiment de l'exploration des lunes de Jupiter en profondeur. En profondeur, évidemment, à distance, hein, puisque la sonde n'a pas pour but de se poser sur les lunes de Jupiter. Et puis on a aussi d'autres instruments. On a un instrument qui étudie l'environnement des particules qui s'appelle PEP, un magnétomètre qui s'appelle JMAG, et un instrument à ondes radio et plasma qui s'appelle RPWI. Et ils ont des capteurs de champs électriques et magnétiques, etc., etc. Bon, bref, c'est. Niveau instrument, c'est une grosse sonde remplie d'instruments. Et en plus de ça, on a aussi des petites expériences comme Pride, qui est une expérience de mesure Doppler. Vous connaissez la mesure, enfin ce que c'est que l'effet Doppler. Vous savez, c'est quand une ambulance, elle s'approche, vous entendez le son qui devient de plus en plus aigu, et quand elle s'éloigne, il devient de plus en plus grave. Ça, c'est l'effet Doppler. Et donc, l'expérience Pride va utiliser l'effet Doppler pour déterminer avec précision la position et la vitesse de la sonde. Donc ça, c'est une première.
et c'est super intéressant. Je vous enjoins à vous renseigner sur ces instruments un peu plus en détail, parce qu'il y a des choses super cool. Alors, à quoi ça sert en fait tout ça? Pourquoi on envoie Juice et ses instruments, tous ces instruments de pointe, vers Jupiter? Ben, en fait, on a plusieurs questions à se poser, cinq questions principales à se poser sur Jupiter. C'est déjà à quoi ressemblent les mondes océaniques de Jupiter, parce que sur certaines lunes de Jupiter, on a des océans souterrains, en fait. On va en reparler après. Pourquoi Ganymède, une des lunes de Jupiter, est-elle si unique? Parce que vous allez le voir aussi, on va le détailler, Ganymède a quelques particularités qui sont propres à elle-même, en fait. Et puis, on se demande aussi si il y a ou il y a eu de la vie dans le système de Jupiter. Alors, pas Jupiter elle-même, c'est une géante gazeuse, mais plus, encore une fois, les lunes et les espèces d'océans sous-marins, enfin, d'océans sous-marins, oui, non, d'océans subglaciaux, donc sous la glace des lunes de Jupiter. Et puis, on se demande également comment cet environnement complexe de Jupiter et de ses lunes, enfin, non, comment l'environnement, pardon, complexe de Jupiter a façonné les lunes et vice-versa, c'est-à-dire comment les lunes influencent Jupiter. Et puis, bien sûr, on est encore dans l'exploration de Jupiter, parce qu'en vrai, on n'a pas envoyé tant de sondes que ça autour de Jupiter, on va en reparler. Et donc, à quoi on va vraiment étudier, encore une fois, Jupiter, comment elle s'est formée, comment elle fonctionne, parce que les planètes comme Jupiter, elles sont très répandues en dehors du système solaire, dans d'autres systèmes solaires, et ce qu'on appelle des exoplanètes. Il y en a beaucoup des Jupiters, des types de Jupiter, et du coup, on se demande, mais enfin, en comprenant Jupiter, on peut potentiellement comprendre comment fonctionnent ces autres planètes qui sont en dehors du système solaire, sans avoir à y aller, parce que elles sont vachement loin, en fait. Et vous allez voir que rien que pour aller à Jupiter, c'est très loin. Alors, le lancement, je rappelle, hein, est prévu à 14h15, théoriquement. C'est une fenêtre instantanée. Donc, si. Enfin, elle doit partir pile à l'heure, ou sinon, elle ne part pas aujourd'hui. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et elle partira pour un très, 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 très long voyage. Alors, je vous ai détaillé ça dans. Est-ce que c'est ceci? Oui, alors, on a cette première infographie qui montre à peu près le voyage. Jusqu'à l'arrivée à Jupiter. Donc, vous avez le lancement, espérons-le, aujourd'hui. Et ensuite, elle va faire des tours de soleil et elle va utiliser plusieurs planètes et des lunes. C'est ça qui est assez particulier avec Juice, pour se catapulter et accélérer en vitesse. Parce que le truc, c'est que elle est tellement grosse. Je parle de la sonde. Hein, elle est tellement grosse que elle doit aussi garder du carburant. Et que pour la propulser, en fait, il faudrait une fusée mais absolument gigantesque et ultra puissante pour pouvoir l'envoyer directement vers Jupiter. Donc on ne peut pas, avec les technologies qu'on a actuellement, avec les fusées qu'on a actuellement, c'est pas possible. Donc la solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle, c'est-à-dire s'approcher de planètes qui vont catapulter la sonde un peu plus loin. On va le voir avec une vidéo que je vous ai préparée, qu'on doit à l'Agence spatiale européenne. Et qui détaille un peu cette trajectoire. Donc là, on a le lancement. Vous voyez Juice qui est en train de quitter la Terre. Et vous voyez qu'elle prend une direction un peu plus basse sur l'orbite terrestre avant de remonter. Et ensuite, elle fait ce qu'on appelle une Lunar Earth Gravity Assist, donc une assistance gravitationnelle Terre-Lune. C'est-à-dire que la Lune va lui faire changer sa trajectoire et l'accélérer. Puis la Terre va le faire aussi. Ensuite, elle refait un tour de Soleil. On est en à peu près 2024-2025. Et là, elle va passer vers Vénus cette fois. Et là, Vénus, pareil, va l'accélérer sur son orbite pour qu'elle garde encore plus de vitesse. Et ensuite, elle continue, elle continue, elle refait encore un tour de Soleil. Là, elle va approcher une nouvelle fois de la Terre et de la Lune. Et là, elle va juste, pas avec la Lune, mais juste avec la Terre, se réaccélérer encore une fois. Donc là, on est en 2026. Elle refait encore un tour, comme vous le voyez. Mais vous voyez qu'elle n'atteint toujours pas Jupiter, elle n'est pas encore assez rapide. Et elle va repasser encore une fois par la Terre. Là, elle va frôler la Lune, mais elle ne va pas être influencée par la Lune. Et là, elle va faire un passage très proche vers la Terre encore une fois, qui va de nouveau l'accélérer. Et avec cette dernière accélération, elle sera enfin assez rapide pour rejoindre Jupiter pile au bon moment. Alors ça, niveau mathématique.
C'est incroyable, vraiment, pour pouvoir calculer toutes les influences, les accélérations, tomber au bon moment, etc. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Donc ensuite, elle va arriver à Ganymède, qui est une lune de Jupiter. Elle va passer contre Ganymède, ce qui va aussi modifier sa trajectoire et sa vitesse, et ce qui va lui faire ce qu'on appelle une insertion en orbite de Jupiter. Donc ça, c'est les premières orbites de Juice autour du système de Jupiter. Donc vous avez Jupiter et toutes ses lunes qui sont en train de tourner, vous voyez. Et Juice sera vachement sur une orbite ce qu'on appelle elliptique, donc vachement ovale si vous voulez, où elle passe à un moment, enfin au plus bas, très proche des lunes de Jupiter, et puis ensuite très très haut. Donc là, elle va progressivement réduire cette orbite pour rester de plus en plus proche, et elle va commencer à étudier les lunes de Jupiter. Donc elle va passer deux fois près de Europe, vous le voyez là. Europe qui n'est pas l'objectif principal, on va dire. Puis ensuite, elle va passer contre Callisto 21 fois. Et ensuite, elle va changer un peu son inclinaison. Donc là, on est en 2032. Hein. On est dans quasiment 10 ans, là, si tout va bien. Et vous voyez que son inclinaison a vachement changé. C'est pour avoir d'autres paramètres, d'autres études possibles avec les instruments. Et elle change encore ses paramètres orbitaux autour de Jupiter. Elle s'insère en orbite autour de Ganymède, et ce sera la première fois qu'une sonde orbite autour d'une lune. C'est jamais arrivé avant, enfin autour d'une lune autre que notre lune, hein, évidemment. Donc elle va tourner beaucoup beaucoup autour de Ganymède pour étudier Ganymède, pour la cartographier, pour étudier ces océans sous terrain, oui, sous glaciaux en fait, subglaciaux. Elle circularise son orbite autour de Ganymède. Alors c'est une mission de 4 ans seulement, hein, prévue autour de Jupiter. Et là, elle va passer à 500 km d'altitude autour de Ganymède. Donc c'est une orbite vraiment très basse. Et à la fin, elle terminera sa course contre Ganymède. Elle va se crasher volontairement sur Ganymède à la fin de sa mission quand elle aura plus de carburant. Voilà en gros tout ce trajet, cette histoire de plus de 10 ans qui s'apprête à démarrer aujourd'hui, en tout cas. En tout cas, on l'espère aujourd'hui, si la météo is OK. Qu'est-ce qu'on nous dit côté ESA et côté Arianespace? Pour le moment, on n'a toujours pas d'image. Comme vous le voyez là actuellement sur ESA TV, ça poste des reportages. On peut parler un peu des lunes de Jupiter, mais avant ça, je vais vous diffuser des extraits d'une vidéo que j'avais faite sur la sonde Galileo. Et comment Galilée, que vous connaissez tous, a découvert les lunes de Jupiter. Donc je vous passe ce petit extrait de quelques instants. On se retrouve dans quelques secondes. Dans les années 1600, ce savant italien, assoiffé de savoir et de science, se procure une longue vue, une technologie qui se développe tout juste à l'époque, et va améliorer le concept pour l'étendre à l'observation du ciel. Bien que sa première vraie cible soit la Lune, l'astre le plus proche du nôtre, il étend très vite ses observations à d'autres objets célestes jusqu'à ce qu'il pointe Jupiter. Rendez-vous compte, avant les lunettes astronomiques de Galilée, les astres autres que le Soleil et la Lune n'étaient que des points blancs, n'attendant que la curiosité et la technologie pour révéler leurs secrets. Et quand il tourne sa lunette vers Jupiter, il ne voit pas qu'un simple point, mais quatre. Un gros point et trois petits répartis à côté de lui. Avec d'autres observations, il découvre non seulement un quatrième petit point, mais réalise très vite, à leur mouvement, ce qu'ils sont vraiment. Des satellites naturels. D'ailleurs, c'est à l'occasion de cette découverte que le terme de satellite est inventé. En effet, en dehors de la Lune, jamais un seul satellite naturel n'avait été découvert auparavant. Même si les noms de ces quatre satellites que nous connaissons de nos jours, Io, Europe, Ganymède et Callisto, ne viennent pas de Galilée mais d'un autre astronome, ce groupe est appelé les satellites galiléens. Et même s'il faudra attendre près de 300 ans avant de découvrir d'autres satellites de Jupiter, ces quatre-là restent encore une référence de par la facilité que l'on a, avec nos technologies actuelles, de les observer. Pour autant,
Sa lunette n'est pas assez puissante pour distinguer les détails que ce soit de Jupiter ou de ses lunes, et ce sera le travail des astronomes qui lui succéderont. Au fil des années, puis des siècles, les progrès en matière d'observation astronomique vont révéler de plus en plus de choses, comme la grande tache rouge, découverte par Jean-Dominique Cassini en 1665, mais vont aussi permettre à Hall Roemer de réaliser un premier calcul de la vitesse de la lumière en utilisant l'effet des éclipses sur la planète et ses lunes. Jupiter et son système de satellites restent tout de même remplis de mystères jusqu'au début des développements de l'exploration spatiale. Ce sont les Américains qui ouvrent le bal en 72 avec Pioneer 10 qui non seulement réalise l'exploit de se rendre aussi loin, mais en plus précisément puisqu'elle survole Jupiter à 130 000 km de ses nuages. Puis, un an plus tard, c'est Pioneer 11 qui survole la géante gazeuse, cette fois à 43 000 km des nuages joviens. C'est l'occasion de non seulement découvrir pour la première fois des images rapprochées de la planète et de ses lunes, mais aussi de gagner de l'expérience en pilotage spatial. 5 ans plus tard, les sondes Voyager, durant leur grand tour du système solaire, passent l'une après l'autre près de Jupiter et découvrent, en un seul passage rapide, une multitude de choses étonnantes, dont deux en particulier, la grande tache rouge est en réalité un anticyclone gigantesque, et Jupiter possède un anneau très fin. Mais d'autres secrets sont révélés par cet unique passage. En observant Io, une des lunes découvertes par Galilée, on observe une éruption volcanique. Des volcans, ce n'est pas la première fois qu'on en voit ailleurs que sur Terre. Sur Mars, l'Olympus Mons, bien qu'éteint, est le plus grand volcan du système solaire. En revanche, en observant Io, ce fut la toute première fois qu'on observait des éruptions volcaniques, et multiples en plus, ailleurs que sur Terre. Alors on n'ira pas voir Io. on n'ira pas voir Io avec la sonde JUICE, puisque la sonde JUICE se concentre uniquement sur les lunes glacées de Jupiter, et Io est une lune volcanique, donc qui n'a pas vraiment beaucoup de glace, on va dire. Grosso modo, vous avez ici un descriptif des lunes que JUICE va aller étudier en grand détail. Donc la cible principale, c'est vraiment Ganymède. Sachez que c'est la plus grande et la plus massive lune du système solaire. Elle est plus grande que la Lune, elle est plus massive que la Lune. Elle sera étudiée avec beaucoup de détails et sans précédent, parce que vraiment, elle joue un rôle très important dans les grandes lunes glacées de Jupiter. Et elle a des interactions assez particulières avec l'environnement de Jupiter, on va en reparler plus tard. JUICE va donc orbiter autour de Ganymède, vous l'avez vu, ce sera le premier vaisseau spatial à orbiter autour d'une lune hors de notre lune, donc c'est une première, enfin en tout cas il y a beaucoup de premières hein, avec JUICE quand même, et en fait les trois autres lunes, Europe et Callisto, Europe est beaucoup connue pour ça d'ailleurs, auraient des océans sous la glace, puisque en fait ce sont des lunes qui sont couvertes de glace à l'épaisseur, mais qui, à cause des mouvements de marée de Jupiter, ont tendance à chauffer, ce qui fait que entre la glace et le noyau très chaud, eh bien on a forcément, enfin forcément, encore une fois c'est aux scientifiques de le prouver, mais on aurait forcément des océans liquides. Le problème c'est que en général ces couches de glace à la surface sont extrêmement épaisses, plusieurs kilomètres, donc on peut pas simplement se dire bon bah on va forer avec une petite foreuse, une petite perceuse et puis on verra en dessous. Malheureusement c'est pas aussi simple que ça. On sait par exemple beaucoup de choses sur la lune glacée de Saturne qui s'appelle Encelade, qui elle a carrément des geysers d'eau qui ont été éjectés et qui ont été étudiés par des sondes, notamment Cassini. J'ai fait une vidéo sur Cassini, n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup pour Europe, Ganymède et Callisto, c'est aussi des questions qu'on se pose, puisque c'est qui dit eau dit potentiellement vie, pourquoi pas, et ça peut être intéressant. En tout cas c'est les trois cibles importantes de la mission JUICE. Alors évidemment la mission JUICE c'est pas la première mission à se rendre sur Jupiter, comme vous l'avez vu en partie dans les vidéos précédentes. On a eu notamment Voyager, on a eu Galileo, très importante, on a actuellement Juno qui est autour de Jupiter, on a Europa Clipper qui devrait décoller dans pas si longtemps. Et justement, pour cet historique des lancements, je vous le montre ici. Attention, hop. Donc, vous avez côté gauche le nom des sondes
qui ont tourné autour de Jupiter ou sa périphérie, ou ses lunes, en l'occurrence surtout sa périphérie, donc Galileo, Juno actuel, et Europa Clipper prévu, et Juice prévu aujourd'hui, si tout va bien. Et puis vous avez les survols également, donc ça c'est la partie de droite, vous avez Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2, Ulysse, Cassini et New Horizons. Toutes ces sondes-là n'ont fait que passer par Jupiter, mais ont quand même récolté de la science très intéressante, notamment Pioneer et Voyager qui ont eu l'honneur de passer, on va dire, les premières et découvrir du coup des choses super intéressantes. Justement, comme je vous ai dit, j'avais fait une vidéo sur Galileo et je parle un petit peu de ces découvertes qui ont été faites avec ces passages auprès de Jupiter et de ses lunes. Donc je vous propose ce petit récap qui vous est présenté par moi-même, encore une fois. La navette spatiale va souffrir à la fois d'une météo capricieuse, mais aussi de soucis techniques qui vont faire que le décollage initialement prévu pour le 12 octobre 89 aura finalement lieu le 18 octobre. Ce n'est pas un énorme problème vis-à-vis de la trajectoire de vol de Galileo vers Jupiter, mais c'est, disons, moins optimal que ça l'était une semaine plus tôt. Car tandis que les jours passent, les planètes se déplacent et les écarts changent aussi. Heureusement, aucun problème n'est à rapporter au décollage et Atlantis se met en orbite avec succès, avec sa précieuse cargaison. Directement, dans les heures qui suivent le lancement, les astronautes procèdent au largage de la sonde et de ses étages de propulsion. Si cette sonde réussit sa mission de plusieurs années, elle va marquer l'histoire. À bord, on filme son déploiement avec une caméra IMAX. Ensuite, les deux vaisseaux s'éloignent l'un de l'autre et Galileo démarre ce qui va être un voyage spatial de 6 ans vers Jupiter. La mission STS-34 continue avec les objectifs secondaires. Finalement, après un petit retard de quelques heures pour des raisons météo, la navette Atlantis est autorisée à rentrer sur Terre et ses roues touchent le sol sur la piste d'Edwards au moment même de ma naissance, à moins d'une heure près, le 23 octobre 1989. Vénus en février 90, puis la Terre en décembre 90, puis la Terre à nouveau 2 ans plus tard, puis un passage proche d'astéroïdes et l'observation de la comète Shoemaker-Levy qui se désintègre dans Jupiter, la petite sonde arrive enfin à proximité de la planète gazeuse en 95. La sonde, sur une trajectoire d'impact avec Jupiter, va d'abord larguer la sonde atmosphérique qui va faire sa rentrée dans la planète. Puis Galileo va allumer son moteur pour changer sa trajectoire d'impact vers une trajectoire plus sécurisée. C'est le 7 décembre 1995 que Galileo passe à moins de 900 km de Io, lune de Jupiter, et l'utilise pour se freiner. La sonde s'insère en orbite autour de Jupiter avec succès. Pendant ce temps, la sonde atmosphérique fait sa rentrée dans l'atmosphère. Le bouclier thermique subit une température de 15 000 degrés, puis la sonde est ralentie sous les parachutes avant que la pression ne détruise la sonde. Avant la coupure du signal, la sonde a pu transmettre toutes les données prévues. On apprend que les vents dans l'atmosphère soufflent à plus de 300 km/h et la pression au moment de la destruction de la sonde avoisine les 300 atmosphères terrestres avec une température de plus de 600 degrés. Le reste n'est que pure hypothèse, mais on pense qu'environ 10 heures après le début de la rentrée, la pression et la température ont purement et simplement fini de vaporiser la sonde, ses atomes faisant désormais partie de la planète. La première orbite de Galileo autour de Jupiter est très elliptique. Il faudra 7 mois à Galileo pour faire sa première orbite, mais c'est prévu. C'est au fil du temps que la sonde va affiner son orbite, dont la période redescend environ à 70 jours. De 1995 à 97, la sonde va étudier et photographier les 4 lunes galiléennes de Jupiter, leurs caractéristiques et leur composition. Cette partie principale de la mission va ensuite laisser place à la partie secondaire, la Galileo Europa Mission, ou GEM. Même si ce nom de mission laisse penser que la sonde ne va étudier que la lune Europe, il n'en est rien.
Gem va aussi étudier les autres lunes galiléennes. En ce qui concerne Europe, Galileo observe un sol gelé et étudie notamment la zone du Connemara Chaos, nommée après la région d'Irlande. La sonde observe également les cratères jonchant la lune glacée, notamment l'étrange structure de Tairé Macula et les cratères de Silix et Mananan. Europe se révèle extrêmement intéressante. Une surface totalement glacée, mêlée à l'effet de marée due à Jupiter, qui renforce l'idée que sous cette épaisse banquise, un vaste océan pourrait exister. Lors de GEM, mais aussi du chapitre suivant, Galileo Millennium Mission, la sonde étudie également Io, la plus atypique des lunes, qui a été le premier monde extraterrestre où on a pu observer du volcanisme actif. Et quel volcanisme ! Il y en a de partout sur cette petite lune. Ganymède, bien fourni en glace, la plus grande et la plus massive des lunes du système solaire, a comme Europe une grande surface glacée contenant de l'ozone et possiblement un océan sous sa surface. Plus important encore, elle possède une petite atmosphère d'oxygène et son propre champ magnétique. À ce jour, c'est le seul satellite à avoir un champ magnétique tout en se trouvant dans le champ magnétique d'une planète et on doit cette découverte à Galileo. Les observations du télescope Hubble, de son côté, révèlent même des aurores. Enfin, Callisto, plus grande qu'Europe, est la deuxième plus grosse lune du système jovien. Celle-ci ressemble énormément à notre lune, bien que plus grande. Sauf que là encore, on suspecte l'existence d'un océan sous la croûte. Autant dire que ces quatre lunes ont toutes des caractéristiques intéressantes pour ce qui est de la vie extraterrestre. On sait aujourd'hui que les océans d'eau salée, tout comme un environnement volcanique, peuvent accueillir la vie de certaines bactéries. L'étude par Galileo de ces quatre gigantesques mondes remet alors en perspective les recherches en matière d'exobiologie. Comme souvent dans la science, en cherchant à répondre à une question, ça nous amène d'autres questions. Parmi les questions communes à ces satellites galiléens qui subsistent aujourd'hui, l'une d'elles est « Est-ce que c'est sur l'un de ces mondes qu'on découvrira que la vie n'est pas seulement cantonnée à la Terre ?» Au-delà de ces lunes prometteuses, qui ont encore beaucoup de secrets à révéler, Galileo observe toujours Jupiter et particulièrement sa météorologie. La sonde se concentre notamment sur la célèbre Grande Tache Rouge, cet anticyclone gigantesque qui pourrait contenir plusieurs fois la Terre. La sonde observe également les effets du gigantesque champ magnétique de la planète, comme ses magnifiques aurores polaires. Les apports scientifiques de la sonde pour mieux connaître le système jovien sont donc considérables. Et bien sûr, une chose que les télescopes terrestres ont toujours eu du mal à observer, les anneaux de Jupiter. Mais au début des années 2000, le carburant de la sonde vient à manquer. En 2003, ça fait déjà 8 ans que Galileo explore Jupiter et ses lunes, et il est temps de clore cette mission incroyable. Laisser Galileo en orbite jovienne après toutes ses découvertes, ça présente un risque de contamination. Le danger serait que la sonde s'écrase sur Europe, qui représente une candidate prometteuse pour découvrir de la vie extraterrestre. La sonde pourrait renfermer des bactéries laissées par les ingénieurs terriens, qui pourraient contaminer Europe et fausser les résultats d'une éventuelle exploration future du terrain. C'est donc décidé, Galileo sera précipité dans Jupiter. Le 21 septembre 2003, Galileo entre dans l'atmosphère de la planète géante et se désintègre totalement. Désormais, Galileo fait partie de Jupiter. La suite de l'étude de la géante gazeuse appartient aux sondes suivantes. Pendant la mission de Galileo, la sonde Ulysse avait survolé deux fois Jupiter et en avait profité pour étudier sa magnétosphère. En 2000, Cassini, en route vers Saturne, avait profité de son survol de la planète pour l'étudier. New Horizons, en route vers Pluton, survole également Jupiter en 2007. Mais la sonde qui va réellement succéder à Galileo, c'est Juno. Lancée en 2011 par une Atlas V, elle arrive en orbite jovienne en 2016 et continue aujourd'hui à étudier Jupiter. Même si elle n'étudie pas les lunes, des projets sont en cours de réalisation, comme la sonde européenne JUICE et l'américaine Europa Clipper, qui devraient, dans un futur proche, partir à destination des lunes glacées de Jupiter, dans l'espoir d'en apprendre encore plus sur ces mondes porteurs d'espoir dans la recherche de la vie extraterrestre. Galileo, qui a connu énormément de péripéties en route pour Jupiter, a tout de même réussi sa mission, et ce, même si son antenne Grand Gain n'a pas fonctionné. Elle a accompli un nombre de premières impressionnantes, et en apportant beaucoup de réponses, elle a contribué à nous faire nous poser bien plus de questions sur les secrets que renferment les lunes glacées de la plus grande planète de notre système solaire. Tout comme la sonde Cassini, quelques années plus tard, qui elle aussi va découvrir des caractéristiques prometteuses autour des lunes saturniennes Titan et Encelade,
Galiléo nous a montré que si la vie extraterrestre existe, on pourrait la trouver bien plus près que nous le pensions. Et grâce à ces sondes interplanétaires, l'humanité continue d'explorer un chemin tracé par Galilée il y a 4 siècles. Et ce chemin tracé par Galilée il y a 4 siècles, il continue aujourd'hui avec donc le lancement imminent, on va dire, dans 1h13 de JUICE. Si tout va bien, encore une fois, pour le moment, on n'a pas de contre-indication, donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Enfin, on a des nouvelles, elles sont plutôt normales, on va dire, nominales, comme on dit en Floride. Donc oui, un trajet qui reste long, comme vous l'avez vu. Déjà pour Galiléo elle-même, la sonde Galiléo, qui elle, comme vous l'avez vu, est partie en 89 et a mis plusieurs années à rejoindre Jupiter. Là, c'est la même chose, ça va mettre plusieurs années à rejoindre Jupiter. C'est normal, c'est long, il faut garder du carburant, donc vaut mieux prendre son temps et avoir assez de carburant pour, entre guillemets, avoir plus de temps autour de Jupiter pour faire les expériences scientifiques, que cramer tout le carburant à aller très très vite, arriver très très vite à Jupiter, mais n'avoir plus de carburant pour rien faire. Et donc forcément, c'est pour ça que on a 8 ans de voyage prévu pour JUICE, avec seulement 4 ans de travail autour de Jupiter. Donc voilà, c'est une question de patience, c'est toujours comme ça dans le spatial, de toute façon c'est une question de patience. Alors vous avez ici la chronologie du lancement, on va dire des premières phases du voyage de JUICE qui est prévu normalement aujourd'hui. Vous avez évidemment compte à rebours qui va jusqu'à zéro. Donc là, la chronologie, elle commence vachement tôt avec la mise en place de JUICE sur l'Ariane 5. Donc ça a déjà été fait il y a déjà plusieurs jours. Donc le lancement est donc prévu dans 1h11 à 14h15. Heure française, 9h15, heure locale, si je ne me trompe pas. Normalement, ça doit être ça. Ah, on entend des petits bruits venant de l'ESA, sûrement. Ah oui, non, ils font une rediffusion d'une sortie spatiale. Donc, on s'en fout. Vous avez donc le lancement et 26 minutes après, la séparation de la sonde d'avec le second étage de l'Ariane 5. Donc ça, ce sera 26 minutes où on sera évidemment en live. Une fois que la sonde sera séparée du second étage de l'Ariane 5, eh bien, il y aura une acquisition radio entre JUICE et le sol. Où en fait, grosso modo, on va vérifier si tout va bien, si elle répond bien, si la communication est bonne, etc., etc., etc. Donc ça, ce sera à 32 minutes après le lancement. 99 minutes après le lancement, pour être tout à fait exact, commencera la séquence de déploiement des panneaux solaires. Vous l'avez vu dans l'intro que je vous ai montré tout à l'heure, les panneaux solaires, ils sont assez complexes à déployer. En fait, ils se déploient, on va dire, en allez, une, deux, trois fois chaque panneau solaire. Donc ça fait un sacré... Une sacrée procédure qui va durer quand même plusieurs heures, parce qu'il faut y aller tout tranquillement. Il ne s'agirait pas de casser quoi que ce soit. Évidemment, c'est fait automatiquement, hein. C'est fait par commande, hein. C'est pas fait à la main où on fait une manivelle sur Terre qui déploie le panneau solaire. Évidemment, tout est manuel, même le pilotage de la fusée d'ailleurs est manuel. Mais en tout cas, pour ce qui est de nous, la couverture du lancement, évidemment, on ne va pas rester plus de 16 heures en live. On couvrera le lancement jusqu'à un peu plus de 32 minutes. Donc on va rester, je pense, à peu près une heure ou deux ensemble après le lancement, histoire de voir comment se porte la fusée. Voili, voilou. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a des labos français qui ont travaillé sur la sonde JUICE. Je vous les affiche ici, vous avez une carte ici de tous les laboratoires français qui ont travaillé sur JUICE. Ça fait quand même un petit paquet de monde quand même, donc petit cocorico au passage. On remercie le CNES pour cette infographie d'ailleurs. On voit pas le logo du CNES parce qu'il y a le compte à rebours devant, mais c'est bien le CNES qui a fait cette infographie. Merci à eux, le CNES qui donc participe à cette aventure de JUICE. Alors,
On a parlé des instruments, on a parlé de la trajectoire, on a parlé de tous les grands détails, on va dire, de ce lancement. Et on attend d'ici quelques instants, je l'espère, les images de Juice et de l'Ariane 5 qui devraient pas tarder à arriver. Le webcast devrait commencer côté ESA et Ariane Espace d'ici quelques instants. Donc on peut déjà discuter, si vous voulez, du lancement lui-même. Si vous avez des questions, je vais prendre quelques questions. J'en ai une déjà de GDP. Pourquoi la fenêtre de tir est-elle de 0 seconde? Parce qu'en fait, il faut énormément de précision. Comme je l'ai montré tout à l'heure avec la trajectoire, en fait, on a un gros problème de carburant, qu'il faut sauver du carburant, et donc il faut faire des manœuvres d'assistance gravitationnelle qui sont réglées au poil de fesse. Et encore, le poil de fesse, il n'est même pas encore assez précis par rapport à la précision qu'il faut pour faire toutes les manœuvres, c'est-à-dire faire une accélération par la Terre qui va accélérer vers Jupiter, vers Vénus, qui va réaccélérer vers la Terre, qui va, enfin, etc. Donc, il faut tellement de précision qu'il faut que la fusée parte exactement au bon moment. Et il faut qu'elle parte au bon moment, vu que la Terre, elle tourne, au moment où la Terre est bien placée. Et pour qu'elle soit bien placée, il faut que... Enfin, si par exemple, là, elle ne peut pas partir aujourd'hui, il faut attendre que la Terre soit de nouveau bien placée le ou les jours suivants et lancée exactement à un moment précis. Donc c'est pour ça que là, on a une fenêtre qui est vraiment instantanée pour ce lancement. Alourje ne sais pas encore quel temps il fait à Kourou, il paraît qu'il y a des pluies intermittentes. Ici à Lyon, c'est le déluge, hein, je vous le dis. J'espère que ce n'est pas le cas, c'est pas le cas là-bas. Donc la fenêtre est à 1 seconde. Voilà, concrètement, la fenêtre est à juste 1 seconde. C'est dû à cette précision requise. On rappelle que la sonde fait quand même 2,5 tonnes. J'ai eu l'occasion de la voir à Toulouse pendant qu'elle était préparée en salle blanche. Je peux vous dire que c'est un gros bébé, hein. C'est un très très gros bébé, hein. C'est plus gros qu'un SUV, c'est un gros gros bébé concentré de science. Mais du coup, il faut garder du carburant et on n'a pas non plus le carburant illimité. Donc forcément, il faut faire ces manœuvres. Ce qui implique évidemment d'économiser le carburant et de faire des manœuvres extrêmement précises. Voilà. Alors, combien de chances que la mission réussisse? Est-ce qu'il y a des estimations? Non, il n'y a pas d'estimation. On ne peut pas estimer. Il y a tellement de complexité, il y a tellement de choses qui pourraient rater, en fait. Rien que des manœuvres peu précises ou un lancement pas tout à fait précis. Il faut que l'Ariane 5 elle soit extrêmement précise. Elle l'a été déjà avec le James Webb il y a maintenant un an, quasiment un an et demi. Mais il faut vraiment que l'Ariane 5 la place sur une trajectoire extrêmement précise pour économiser du carburant. La sonde peut toujours faire des petites corrections, mais moins elle fera de corrections, plus elle aura de carburant pour continuer sa mission autour de Jupiter. Donc il faut... C'est une course d'endurance avec économie de carburant pour ceux qui font un peu de l'automobile. Imaginez que vous avez les 24 heures du Mans à faire, mais que vous avez une quantité de carburant extrêmement limitée, vous ne pouvez pas ravitailler, et vous devez tenir 24 heures. Donc il faut jouer un peu de l'aspiration des voitures, il faut jouer un peu des trajectoires, et des réaccélérations, des passages de vitesse. Il faut que tout soit extrêmement précis, extrêmement bien calculé, pour ne pas se planter. Tout simplement pour ne pas se planter et pour ne pas rater Jupiter, ne pas rater la Terre et la Lune, ne pas rater Vénus, parce qu'il va y avoir tellement de manœuvres. C'est ultra, 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 ultra précis. Et du coup, bah, on peut déjà féliciter ceux qui ont fait les calculs, celles et ceux qui ont fait les calculs à l'Agence spatiale européenne, les calculs de trajectoire, parce que vraiment, c'est assez... C'est assez impressionnant et c'est assez unique. Bon, maintenant on a quand même les ordinateurs, mais c'est vrai que... Ouais, bravo aux mathématiciens, moi je serais pas capable de calculer la moindre assistance gravitationnelle, rien qu'une seule, je serais pas capable, mais eux, ils ont fait des assistances gravitationnelles, d'assistances gravitationnelles, d'assistances gravitationnelles. C'est tellement impressionnant, on ne peut que les en féliciter. Combien de temps va durer la mission et ton live suivra-t-il toute la mission en live non-stop? Alors non, on va pas suivre la mission en live non-stop puisque la mission, elle va durer, si je calcule bien là comme ça de tête, une douzaine, quinzaine, enfin entre 12 et 15 ans. Donc je vais pas pouvoir rester là tout du long. Mais en revanche, on va suivre toute la campagne de lancement et on fera sûrement des petits updates de temps en temps sur Stardust, et des lives s'il y a des choses à couvrir en live.
Et si on est encore là dans 8 ans, je l'espère, si on est encore là dans 8 ans, on pourra couvrir l'arrivée de la sonde à Ganymède puis Jupiter. Donc on verra bien, on verra bien. En tout cas, je profite entre deux questions là pour remercier Espace Exploration. Le magazine Espace et Exploration, c'est pas une sponsor ou quoi, hein. C'est le magazine Espace et Exploration qui est dans le chat et qui répond beaucoup à vos questions là en ce moment, qui est tenu par Marie-Ange, que je salue, qui est sûrement à la tête de ce chat actuellement, et qui répond à vos questions. Espace et Exploration, c'est un super magazine sur l'espace, l'astronautique. Donc si vous voulez tout savoir de JUICE, etc., et que vous voulez des explications claires, simples, à la portée de n'importe qui, avec des photos incroyables et des analyses vraiment, vraiment cool, surtout n'hésitez pas à aller voir le site de Espace Exploration. Et elle me dit là en message privé d'ailleurs que vous avez un coupon sur l'abonnement qui est possible. Alors attendez, vous pouvez mettre un code promo sur l'abonnement. Alors je sais pas combien, elle vous dira combien donne l'avantage du code promo, mais vous devez taper, je vais vous le mettre dans le chat, JUICE 2023 Stardust. Vous mettez ça comme coupon quand vous prenez un abonnement sur Espace Exploration, et vous aurez donc une petite réduction. Alors je sais pas de combien, je laisserai Marie-Ange vous expliquer tout ça, mais vraiment voilà, c'est un magazine ami de la chaîne, et je ne peux que trop vous recommander de prendre un abonnement chez Espace Exploration. Ça offre un ancien numéro gratuit pour tout abonnement. Oh, trop cool, trop cool. Ah bah voilà, bah voilà, bah surtout profitez-en, allez-y, et merci Marie-Ange pour l'occasion. Je le mettrai dans la description là quand j'aurai un petit peu plus de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? L'ESA a-t-elle mis de meilleures caméras sur Ariane 5 pour suivre le lancement? Alors, le truc, c'est que c'est Ariane Espace qui décide de mettre les caméras, et aussi, c'est aussi le client qui décide. C'est-à-dire que si vous voulez des caméras sur votre Ariane 5 lors du lancement de votre satellite, imaginons que vous êtes assez riche pour lancer un satellite, c'est vous qui choisissez s'il y aura des caméras ou pas. Et des fois, enfin, il me semble que chez Ariane Espace, c'est payant. Du coup, le problème, c'est que si l'ESA s'en fout, en fait, ben on n'aura pas d'image en direct de l'Ariane 5. Après, d'un autre côté, pour James Webb, on les a eu. Donc, c'est pas exclu qu'on en ait, mais pour le moment, on ne sait pas. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'il y a des caméras qui sont sur la sonde, mais qui seront activées au moment du déploiement des panneaux solaires. Donc, ce sera après, bien après le lancement. Ce sera quelques heures après le lancement. On aura, si tout va bien, si la sonde va bien, on aura des images de ces caméras qui montrent les panneaux solaires. C'est un truc qu'on avait déjà avec les caméras scientifiques de Rosetta, qui nous avait gratifié d'un magnifique selfie quand elle était passée près de Mars, en route vers une comète. Et du coup, on pourra avoir sûrement ces images-là. Mais pour le moment, on n'a pas l'information s'il y aura des caméras au lancement. On espère que oui, mais on ne sait jamais trop avec l'ESA, très honnêtement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que JUICE est plus grande que le James Webb? Je pense pas, parce que le James Webb, une fois déployé, est bien plus grand. Après, ça dépend si tu comptes les panneaux solaires ou pas, parce que James Webb, c'est pas vraiment la même architecture. Mais c'est, ouais, le James Webb est quand même vachement grand. Hein. Je dirais qu'il est, si t'enlèves, enfin, sans les panneaux solaires déployés, JUICE est plus petite, hein, clairement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? En se crachant sur Ganymède à la fin de la mission, n'y a-t-il pas de risque de contamination interplanétaire? Alors j'ai posé la question chez Airbus Defence and Space quand on était allé voir JUICE dans la salle blanche, et malheureusement je n'ai pas eu la réponse. Mais je pense que oui, il y a des risques. Oui, absolument, je pense qu'il y a des risques, parce que sinon on n'aurait pas... on aurait fait ça pour plein de sondes, et là c'est la plupart des sondes qui vont voir Jupiter ou Saturne pour éviter les contaminations rentrent dans Saturne ou dans Jupiter. Ça a été le cas pour Galileo, ça a été le cas pour Cassini, et ce sera sûrement le cas pour Juno aussi. Pourquoi une si grosse coiffe pour une si petite charge utile? Parce qu'en fait les coiffes ne sont pas faites sur mesure, en fait, chez tout le monde en général, les tailles sont standards, en fait. Donc si tu as une, on va dire, imaginons tu as une fusée qui a une taille de coiffe de minimum 5 mètres, et que toi tu as une
un satellite à lancer, il fait 10 cm, et ben t'auras quand même, la taille de coiffe. C'est pas fait sur mesure, donc malheureusement, ça fait du vide. Mais moi, j'aime bien la Ariane 5 avec cette coiffe-là. Alors, petite particularité sur l'Ariane 5, là, que vous voyez actuellement à l'image. Alors, je sais pas si j'ai une photo... Ah, ça va être dur. Attendez, je vais essayer de vous trouver une photo de ce que je veux vous montrer. Alors... Petite particularité pour l'Ariane 5. Hop. J'y travaille. Et j'arrive pas à l'attraper. Ah non, j'y arrive pas. Petite particularité, en fait, sur la coiffe, vous avez un dessin de Juice. Je vais essayer de vous le trouver quand même. Hein. Je vais essayer de vous le trouver, mais je vous promets rien. Ce dessin a été réalisé par une écolière ukrainienne, il me semble qu'elle a 12 ans. Ça datait d'avant la guerre. En fait, l'ESA avait fait un concours pour que les enfants européens, puissent dessiner la mission, grosso modo, et que ça se soit affiché sur la coiffe, en fait. Donc, c'est pas le patch de la mission, le patch de la mission est différent, mais c'est du coup un dessin d'enfant, et c'est une écolière de 12 ans ukrainienne, me semble-t-il. Elle me corrigera, Marie-Ange, si je dis des bêtises, qui a remporté le concours et qui voit son dessin sur la coiffe de la 25. Vous voyez, c'est tout en haut, en fait. Je vais essayer de vous trouver un close-up. Je vais essayer de vous le trouver. Voilà, je l'ai, le close-up. Ah, c'était le concours Space for Kids, visiblement. Alors, hop. Je vous ajoute ça, hein, bougez pas. Désolé, je fais la régie et l'animation en même temps, c'est jamais facile. Alors, hop. Et vous l'avez dans 3, 2, 1, top. Voilà. Alors, je vais vous le mettre un peu mieux, hein, évidemment. Je vais vous le mettre un peu plus joli, joliment affiché. Hop, je vous remets le compte à rebours aussi. Donc voilà, c'est le dessin de l'écolière ukrainienne. J'essaye de vous l'afficher un peu mieux, parce que c'est vrai qu'il n'est pas en 16/9, du coup ça s'affiche un peu moins bien que prévu. Hop, je vous le mets comme ça. Voyons ça, voilà. Donc là, vous voyez les trois lunes de Jupiter, avec Jupiter qui attrape Juice, puisque la Terre lui a offert. Donc ça, c'est sur la coiffe de l'Ariane 5 actuellement. Et elle n'a pas 12 ans, excusez-moi, elle a 8 ans, et elle s'appelle Yarina, écolière ukrainienne. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Tandis qu'on attend toujours les images en direct, je suis en train de vérifier, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le spectacle spécial Juice devrait pas tarder à démarrer. On attend encore les images. Pour le moment, on n'en a absolument aucune. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles concernant Juice? Normalement, tous les préparatifs sont toujours en cours. Niveau météo, est-ce qu'on a des nouvelles? Non, à part qu'il a l'air de faire beau actuellement. C'est un petit peu... Il a l'air un petit peu couvert quand même, mais c'est pas... pas trop dérangeant. Donc on va voir comment ça se passe. Je rappelle que les images que vous avez actuellement sur votre écran ne sont pas des images vidéo, hein. c'est une photo qui a été prise hier, non pas hier, c'était au moment où l'Ariane 5 roulait vers son pas de tir. Alors, on va prendre d'autres questions. Alors, il y a Valkyria qui demande pourquoi le nom de Juice. Alors, le nom de Juice, déjà parce que c'est un nom rigolo, mais aussi c'est une contraction de Jupiter Icy Moon Explorer. Donc, l'explorateur des lunes glacées de Jupiter. C'est très... pas comme Cassini ou comme Galileo, etc., où on donnait des noms de scientifiques. Là, c'est un nom très, très basique. Les noms de scientifiques, ça s'est un peu calmé depuis le James Webb, parce que quand on se rend compte qu'on a donné le nom d'une sonde à quelqu'un qui a potentiellement pas été foufou dans sa vie, on commence à le regretter, voilà. Donc depuis là, ils sont un petit peu plus réticents à donner des noms. On a quand même le rover martien
de l'ESA, qui on attend toujours son décollage. D'ailleurs, je vous montre, il y a un reportage de l'ESA en ce moment même qui passe dessus. Le rover qui, à la base, était la mission ExoMars et qui a eu le nom de Rosalind Franklin. Mais ça devient de plus en plus rare, en fait, d'avoir des noms, et c'est tant mieux, en fait. C'est tant mieux, parce que c'est vrai que si on donne un nom et qu'après on se rend compte que, voilà, c'est pas forcément ouf. En combien de temps la sonde arrive dans l'orbite de Jupiter? Du coup, 8 ans. 8 ans entre le décollage de la Terre et l'arrivée à Jupiter. Ça va être extrêmement long. Je vais vous remettre l'infographie de la trajectoire. Hop. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Si, c'est bon. On va y arriver. Donc là, vous avez l'infographie en accéléré de Jupiter. Je vous enlève le compte à rebours, comme ça vous aurez les dates. Donc là, c'est la première année, donc premier tour de Soleil. Vous voyez qu'elle est partie de la Terre. Là, elle repasse. Et là, elle fait une assistance gravitationnelle pour s'accélérer. Elle passe d'abord la Lune et puis la Terre. Donc ça va faire une double influence. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. C'est une manœuvre qui n'a jamais été tentée. Ensuite, elle va passer par Vénus, où là, Vénus va de nouveau l'accélérer. Là aussi. Le tout avec à peine quelques grammes de carburant. Hein. C'est ça qui est fou. Ensuite, elle fait un troisième tour de Soleil. On est entre 2025 et 2026, où elle passe de nouveau proche de la Terre, mais pas proche de la Lune. Donc la Terre l'accélère encore une fois. Elle refait un tour autour du Soleil. On en est à son quatrième. Et on arrive de nouveau à la Terre. Là, elle va passer proche de la Lune, mais pas vraiment. Mais elle va surtout subir une forte accélération proche de la Terre. Vous allez voir qu'elle va passer très près cette fois. Ah oui, les calculs sont incroyables. Hop, elle passe très très près de la Terre. Là, ça lui fait un gros catapultage. Et là, cette fois, elle peut faire le voyage vers Jupiter. Le voyage est très long. Ça va prendre 3 ans, grosso modo. 2-3 ans. Avant qu'elle arrive donc dans l'orbite de Jupiter, où elle va passer déjà proche de Ganymède. Ce qui va l'aider aussi à ralentir à l'approche de Jupiter. Et donc éviter de faire juste un survol. Et ça va l'aider à se mettre en orbite autour de Jupiter. Là, elle va avoir une orbite qu'on appelle elliptique, donc ovale, donc vachement haute d'un côté, vachement basse de l'autre. Et vous voyez, en fait, elle fait un tour en vraiment très très longtemps. Et c'est là qu'elle va donc faire ses premières orbites de Jupiter et qu'elle va affiner sa trajectoire pour être de plus en plus proche, en fait. Elle va se rapprocher tranquillement. Ah non, mais la précision des calculs, c'est vraiment le truc qui me surprend le plus sur Juice, quoi. Là, les passages près d'Europe. Alors, pendant ce temps, vous posez une question, pourquoi on n'utilise pas une Falcon Heavy et une Delta 4 Tout simplement parce qu'en fait, même avec une Falcon Heavy et Delta 4, on ne pourrait pas faire une trajectoire directe vers Jupiter avec Juice. Juice est vraiment trop grosse, en fait. On a ensuite le passage à Callisto. Il y en aura 21 en tout, où elle va passer proche de Callisto. Elle ne se mettra pas en orbite autour des lunes de Jupiter, à part Ganymède, qui est sur la dernière phase de la mission. Là, vous voyez, on est déjà en 2032-2034. Donc là, on est dans 10 ans, là. Voilà, donc forte phase d'inclinaison. Ça change encore les orbites. Là, c'est nécessaire pour les instruments, en fait, de changer un peu le plan d'orbite et de regarder un peu sous d'autres angles. On s'insère en orbite autour de Ganymède. Là, il va falloir un peu de carburant quand même. On est en 2035, là elle est vraiment en orbite autour de Ganymède, de plus en plus proche. Elle va se mettre à 500 km en orbite autour de la Lune, de Jupiter. Voilà, ça tourne autour de Ganymède pendant l'année 2035. Alors la sonde se localise elle-même avec les étoiles trip-trip. Toutes les sondes font ça. C'est avec des viseurs d'étoiles. C'est comme les navigateurs en bateau il y a des siècles. C'est la même technique, sauf que là, c'est informatisé. Et à la fin de 2035, impact prévu sur Ganymède. Donc, la fin de mission de Juice. Et moi, vu que je couvre... je fais des documentaires uniquement sur les missions terminées.
Je pourrais pas faire la couverture de Juice avant 2035. Ce qui fait que bon, on a le temps avant que j'en fasse une vidéo dédiée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps sur les lives? Eh ben, pas grand-chose, très honnêtement. Pas grand-chose. On attend encore les images en live. Côté Arena Espace, ils n'ont pas démarré. Là, je suis en train de regarder côté ESA. Côté ESA, il y a des scientifiques qui parlent d'instruments, mais ça n'a pas l'air d'être les instruments de Juice. Pas sûr, en tout cas. On va continuer les questions-réponses, ma foi. On va continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question, d'autres questions-réponses? Alors, Jurigor, tu dis qu'on sait que Jupiter a énormément de lunes, on l'a fait tourner énormément dans un espace assez inconnu. En vrai, on le connaît bien, hein, l'espace de Jupiter, parce que c'est une planète qui est vachement proche, en fait, et on connaît la plupart de ses lunes, notamment grâce à Juno et Galileo, qui ont quand même pas mal orbité autour et qui ont eu le temps de détecter quasiment toutes les lunes. Donc, en vrai, ça va. Et de toute façon, même, c'est un espace extrêmement grand, donc les probabilités qu'elle touche quelque chose sont extrêmement faibles. En fait, quand on y réfléchit. Désolé si ça a dû être dit. Il y a quoi d'intéressant sur Ganymède pour s'y rendre? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas grave, je le répète, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aller voir la description, vous avez toutes les infos dedans d'ailleurs. En gros, l'avantage d'aller voir ces lunes-là, donc Ganymède, Europe et Callisto, c'est que c'est des lunes glacées. Donc, en fait, elles ont une banquise. Elles ont, ça on en est sûr, un noyau chaud. Et en fait, vu qu'elles ont une banquise, donc de l'eau, de la glace, et qu'il y a un noyau chaud, on imagine qu'entre les deux, il y a de l'eau liquide. Et qui dit eau liquide dit potentiellement de la vie. Voilà. Donc c'est ce qu'on suspecte. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille investiguer, qu'on aille enquêter sur Ganymède en particulier, mais aussi Callisto et aussi Europe. On n'ira pas voir Io parce que c'est une lune volcanique et que la sonde est vraiment faite pour aller voir des lunes glacées. Alors, Howlin' Wolf, 8 ans, c'est long, c'est pas possible d'aller plus vite? Pas vraiment, en fait. Non, pas vraiment. En fait, le truc, c'est que on économise le carburant, donc on utilise le moins de carburant possible, histoire de l'utiliser à fond une fois à Jupiter. Donc, en fait, l'assistance gravitationnelle, c'est entre guillemets du carburant gratuit. Donc, on y gagne grave en fait à faire ça. J'ai remis le compte à rebours hein, pour info. Donc, j'ai bien vu, vous m'aviez dit bonjour Monsieur Bidouille d'ailleurs, bonjour Defecator, je vous ai vu passer dans le chat. Merci à tous les copains qui passent pour dire bonjour. En vrai, 8 ans, c'est pas grand-chose quand on y pense parce que la mission Rosetta, c'est beaucoup plus long, c'est quasiment 10 ans pour une comète. On a eu Cassini, ça a été pas mal long aussi. On a New Horizons qui a atteint Jupiter en un an parce que c'était une toute petite sonde et que la fusée était ultra puissante. Donc c'était une trajectoire directe vers Jupiter. Mais par contre, elle a mis 9 ans à aller vers Pluton. Donc évidemment, pour un survol, parce qu'elle n'avait pas assez de carburant pour se mettre en orbite autour de Pluton, elle n'aurait pas pu freiner en fait. Donc ouais, c'est compliqué toutes ces histoires. Mais 8 ans, c'est classique dans le spatial, j'ai envie de dire, en fait. C'est des données qui sont classiques dans le spatial. Le spatial prend extrêmement longtemps. Rien que Juice, j'ai pas l'année de début de conception, entre guillemets, de la sonde, mais le temps de conception entre une sonde et son lancement, déjà, c'est plus de 10 ans, en fait, en général. Voire même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour certaines missions. Donc voilà, c'est... Le spatial, c'est une affaire de patience. Et en fait, le fait d'accélérer la sonde en mettant un plus gros lanceur n'a aucun intérêt vraiment, en fait, concrètement. Europa Clipper, lancé l'année prochaine, doit arriver en 2030. Est-ce qu'on doit y voir une volonté pour la NASA de damer le pion à l'ESA? Non, pas vraiment, non. Non, d'ailleurs, la NASA a des instruments sur Juice, là, actuellement. Hein. La NASA participe à Juice. Hein. Et c'est... Je me suis pas renseigné sur Europa Clipper par rapport à ça, mais il est tout à fait possible qu'il y ait des instruments européens sur Europa Clipper. Donc partant de là, en vrai, tout est une affaire de coopération. Et en vrai, l'Europe est tellement, comment dire, elle est tellement, comment on dit, elle prometteuse. Voilà, prometteuse. Elle est tellement prometteuse en fait
que forcément, en fait, on en voit plein de choses là-bas. Le problème, c'est que bah, les sondes vers Jupiter, il faut trouver la bonne fenêtre, il faut concevoir la sonde, il faut la financer, etc. Donc là, on a la chance d'avoir deux sondes vers Jupiter à peu près au même moment, alors qu'on n'en a pas eu depuis, bah, depuis 1989 de lancement. En fait, ça fait 34 ans qu'on n'avait pas... pardon, parce qu'il y avait eu Juno entre les deux. Mais en vrai, ouais, non, ça prend du temps et il faut financer, etc. etc. Mais ce n'est pas une histoire de concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre la NASA et l'ESA. C'est des objectifs scientifiques, si tu veux. Les scientifiques, ils veulent aller là-bas. S'ils arrivent à le faire financer, à avoir l'argent des politiques, en fait, au final, bah, ils arrivent à financer leur mission. Mais en fait, il y a des missions pour partout. Hein. C'est-à-dire que les scientifiques, eux, ils veulent aller partout. ils veulent envoyer 20 000 rovers sur Mars. Ils veulent envoyer 400 000 sondes autour de Saturne, si tu veux. mais le tout, c'est de pouvoir le financer. Et l'ESA, elle ne peut pas financer 40 choses en même temps. On devrait avoir les images de l'Agence spatiale européenne d'ici quelques secondes maintenant. On est en attente des images. Ça devrait commencer d'ici quelques instants. Donc voilà. Des sondes prévues pour Uranus et Neptune prochainement. Bah, Uranus et Neptune, c'est pareil. Les scientifiques voudraient tous y aller. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Parce que c'est loin, et que du coup, quand c'est loin, c'est cher, et quand c'est cher, c'est dur à financer. Je vous mets les images en direct. Voilà, les images en direct de ce lancement. Vous avez un compte à rebours gigantesque là, mais ce compte à rebours, c'est pour le début du spectacle de l'ESA, entre guillemets, du show de l'ESA. Donc, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant sur ces images, c'est le temps couvert quand même. Mes contacts à Kourou disaient qu'il y avait des pluies intermittentes. C'est ce qui était prévu sur Météo France de toute façon. Et là, le temps est, comme vous le voyez, assez couvert. Donc, elle devrait, vu que c'est un temps vachement humide, devrait vachement facilement disparaître dans la brume. Et donc, le lancement devrait être très court vu du sol, théoriquement. Et puis, on voit qu'au sol, ça va, il y a un petit peu de vent, mais pas trop. Vous voyez les feuilles qui bougent. C'est pas un grand vent, donc c'est pas un vent menaçant déjà au sol. Après, il faut voir le vent en altitude, ça, c'est difficile à voir comme ça. Et malheureusement, le Centre Spatial Guyanais ne nous communique pas les bulletins météo avant lancement, contrairement à la Floride. Donc, du coup, on n'y a pas droit. C'est un peu bête. Je suis un peu perdu, elle décolle dans 12 minutes ou dans 40 minutes? Non, dans 12 minutes démarre le show de l'ESA, donc le spectacle de l'ESA, c'est-à-dire que l'ESA fait une émission spéciale qui commence dans moins de 12 minutes. Mais par contre, le lancement est bien prévu à 14h15, heure française, c'est-à-dire dans un peu moins de 45 minutes, quasiment 40 minutes. À quoi servent les 4 tours autour du pas de tir? Eh bien, ce sont des parafoudres. Comme ça qu'on dit, parafoudre ou paratonnerre? Ah, je sais jamais. Non, je crois que c'est des parafoudres. Donc, grosso modo, c'est des tours qui vont attirer la foudre et empêcher... Vous voyez qu'elles sont reliées par des câbles, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous pouvez le voir en mettant en plein écran. Mais elles sont reliées par des câbles et donc elles évitent à la fusée de prendre directement la foudre, en fait. On trouve ça partout, sur tous les pas de tir du monde, à part quelques-uns. Mais en Floride, par exemple, vous allez à Vandenberg, vous allez au Kennedy Space Center, vous allez à Kourou. Les pas de tir sont entourés de tours comme ça, ou des fois il y en a 4 comme ça autour, des fois il n'y en a qu'une. Ça dépend des configurations et des volontés. Mais si on dit paratonnerre, je dis paratonnerre. Alors, je dis paratonnerre. Donc c'est donc des paratonnerres, c'est tout à fait classique. Vous avez également un espèce de petit bloc de béton, on va dire ça comme ça, dans le coin en bas à gauche de l'image. Ça, c'est ce qui permet de rediriger le souffle et les ondes de choc des boosters et du moteur principal. Donc c'est par là que s'échappent les gaz, etc. Il y en a 2 comme ça sur le côté du pas de tir qui permettent d'éjecter tous ces gaz pour éviter qu'ils remontent vers la fusée, évidemment, ou qu'ils détruisent les installations autour. Donc ça fait un espèce de conduit quasi souterrain. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce qu'on voit à l'image. Si, il y a des projecteurs, mais voilà, il n'y a pas tellement d'autres choses à vous décrire là sur l'image, à part la météo qui, en effet, n'est pas la plus radieuse du monde. Actuellement. Les caméras aussi proches du pas de tir survivent-elles au décollage? Oui, bien sûr. Il y a même une caméra qui est au pied du moteur Vulcan 2 de l'Ariane 5, donc au pied du moteur principal, et qui survit au décollage, puisqu'il suffit de mettre un bon gros blindage et il n'y a pas de souci.
Mais celle qui filme là actuellement est largement assez loin, mais elle zoome à fond, mais elle est loin, et du coup elle est totalement protégée de l'Ariane 5. Ah, les parafoots, c'est un réseau électrique. Je me disais aussi que ce nom existait. Merci Pierre-Yves Chapalin pour la précision. Donc on dit paratonnerre pour ce genre de pylône. Parafoudre, c'est sur un réseau électrique. D'accord, d'accord. Je ne savais pas. Bah, merci beaucoup de cette information. Enfin, non, les 1787 personnes sur ce live se coucheront moins bêtes par rapport au parafoudre et paratonnerre. C'est rigolo que ce truc, je ne savais pas du tout en vrai. Alors, qu'est-ce que vous dites d'autre? Ouais, on apprend même des trucs sur des choses pas spatiales, du coup. Ce qui est un parafoudre, c'est super intéressant. On est à 9 minutes avant le départ. Non, 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 non. On est à 9 minutes avant le show de l'ESA, avant le petit spectacle de l'ESA. Malheureusement, je peux pas cacher ce compte à rebours-là, mais le vrai compte à rebours est celui en bleu, qui est en haut à droite de l'écran. Hein. Attention, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci hein, pour ceux qui font des retours sur ma dernière vidéo. Merci à vous, ça fait plaisir d'avoir du soutien. Ah oui, on va faire un petit instant auto-promo, vous trouverez dans la description de quoi me faire un don pour financer la chaîne, parce que depuis que Utip a fermé, on est un peu... C'est un peu caca. Donc... Donc vous avez un lien Ko-fi et un lien Patreon, vous choisissez l'un ou l'autre, pour faire des dons pour la chaîne. C'est pas pour moi, hein. Ces dons ne vont pas dans ma poche, ils vont dans le financement des vidéos, ils vont absolument pas dans ma poche. Et du coup, n'hésitez pas à faire des dons. Et je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner au magazine Espace Exploration, c'est pas un sponsor, c'est un magazine ami en fait. Et du coup, Espace Exploration qui sont excellents. N'hésite pas Marie-Ange à en parler sur le chat d'Espace Exploration, ça me dérange pas du tout. Un topo sur les instruments embarqués, oui, on peut refaire un petit rappel sur les instruments, bien sûr, avec grand plaisir. Hop, je vous remets l'infographie et je remets mon petit speech et je suis à vous. Donc, on a, comme vous le voyez, un ensemble d'instruments très variés. On a 10 instruments, en fait, dans la sonde JUICE. Vous voyez, les panneaux solaires sont un peu particuliers aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Donc on a ce qu'on appelle de la télédétection, donc de l'imagerie visible, donc comme un appareil photo en gros, et de l'imagerie spectrale, donc comme une caméra infrarouge par exemple, ou ultraviolet. Donc ça, ce sont les instruments JANUS, MAGIS, UVS et SWI. On a un altimètre laser qui s'appelle GALA, un sondeur radar qui s'appelle RIME, R-I-M-E, cet altimètre et le sondeur en radar vont explorer la surface, mais aussi le sous-sol des lunes de Jupiter. Et avec une expérience radioscientifique qui s'appelle 3GM, on va pouvoir aussi sonder les atmosphères de Jupiter et des satellites et mesurer les champs de gravité. On a quoi d'autre? On a aussi un magnétomètre qui s'appelle JMAG. On a aussi un instrument qui étudie l'environnement des particules qui s'appelle PEP. On a aussi un instrument à ondes radio et plasma qui s'appelle RPWI. Merci les acronymes hein, spatiaux. Et on a sur cet instrument des capteurs de champs électriques et magnétiques avec des sondes Langmuir. Je ne sais pas ce que c'est des sondes Langmuir. Peut-être qu'ici, il y a des ingénieurs qui savent ce qu'est une sonde Langmuir. Petit rappel également sur quels sont les objectifs de cette mission. Alors, on vous montre les lunes de Jupiter, les voici. En tout cas, ce n'est pas toutes les lunes de Jupiter, mais c'est celles que JUICE va étudier. Hop. Nous avons donc 5 questions que les scientifiques se posent et dont ils veulent la réponse avec JUICE. À quoi ressemblent les mondes océaniques de Jupiter? Alors, pas de Jupiter directement, mais des lunes de Jupiter. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on suppose qu'il y a des océans sous la surface glacée des lunes de Jupiter, les trois que vous voyez là. Et du coup, on veut étudier leur intérieur. Donc, c'est ce à quoi vont servir les instruments embarqués. Pourquoi Ganymède est-elle si unique? Puisque Ganymède a un champ magnétique, Ganymède est une lune glacée, elle a des aurores, donc c'est très particulier pour une lune, c'est la plus grande lune du système solaire d'ailleurs, donc elle est très intéressante Ganymède.
Pourrait-il y avoir, ou n'y a-t-il jamais existé, de la vie dans le système de Jupiter? Donc, est-ce que sur ces lunes, enfin plutôt dans ces lunes, il y aurait de la vie bactérienne, microbiologique, en tout cas sous-marine dans tous les cas? Est-ce qu'il y a de la vie sur ces lunes-là? C'est tout à fait possible. Ensuite, comment l'environnement complexe de Jupiter a façonné ces lunes et vice-versa? Donc, comment Jupiter influence les lunes et comment les lunes influencent Jupiter? Et enfin, étudier en détail quand même aussi Jupiter en elle-même, la planète, puisque on a dans l'univers beaucoup de planètes, on en a découvert beaucoup, ce qu'on appelle des Jupiter chaudes, des choses comme ça, des planètes comme ça, qui sont en fait très proches de la structure de Jupiter. Et en étudiant Jupiter, du coup, on en saura plus sur ces lunes-là qu'on ne peut pas aller voir avec des sondes, parce qu'elles sont tout simplement à des distances astronomiques. pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. On aura plusieurs premières grâce à cette sonde. Alors, je vous remets les images en direct, hein, quand même. On aura plusieurs premières grâce à cette sonde. On aura notamment le premier vaisseau spatial à orbiter autour d'une lune dans le système solaire externe, donc en l'occurrence Ganymède, puisque JUICE va se mettre en orbite autour de Ganymède. Ça, à part autour de notre lune, c'est jamais arrivé sur d'autres lunes, en fait. On n'a jamais envoyé de sonde qui a fait des orbites autour des lunes. On a eu Cassini, par exemple, mais qui faisait des survols des lunes de Saturne. On a eu Galileo, qui a fait des survols de lunes de Saturne, de Jupiter. Mais on a eu... on n'a pas eu grand chose d'autre au niveau des lunes. Mais à part notre lune, on n'a aucune sonde qui a orbité autour d'un autre satellite naturel dans le système solaire. Donc JUICE sera le premier. On aura également, pour la première fois, une assistance gravitationnelle Lune-Terre, donc ce qu'on appelle une LEGA, Lunar Earth Gravity Assist. Donc en fait, d'habitude, une assistance gravitationnelle, c'est on passe proche d'une planète, et en fait, avec la gravité de cette planète, ça nous accélère, ça accélère la sonde. Alors, elle n'est pas en trajectoire de collision, donc elle passe à côté, mais elle est ultra accélérée. C'est comme si, par exemple, vous prenez un trampoline, vous mettez une boule de bowling au milieu du trampoline, je sais, ça demande beaucoup de logistique, vous avez votre boule de bowling au milieu du trampoline, donc le trampoline, il est un peu, incurvé, et puis vous lancez une balle de tennis, alors pas directement vers la balle de bowling, mais un peu sur le côté, et vous allez voir qu'en fait, la trajectoire... Déjà, la balle de tennis, elle va accélérer vers la balle de bowling. Et puis, surtout, sa trajectoire va changer. Et en fait, en faisant ça, ça nous fait gagner du carburant, mais de fou. Alors, ça nous fait perdre du temps de fou, mais ça nous fait gagner du carburant de fou. Et c'est ce qui fait qu'on peut envoyer des grosses sondes, comme JUICE, on peut envoyer des grosses sondes vers des trajectoires lointaines. Et d'habitude, on le fait juste avec des planètes. C'est-à-dire qu'on fait juste... on passe près de Vénus, ça nous accélère, paf. On passe près de la Terre, ça nous accélère, paf, etc. Là, on va faire une assistance gravitationnelle avec deux corps. Avec d'abord la Lune, qui va nous modifier très légèrement, puis directement, juste après, la Terre, qui va nous remodifier directement. Et en fait, ça va tellement accélérer qu'en fait, elle va faire assistance gravitationnelle Lune un jour donné, et un jour et demi plus tard, elle passe la Terre. Ça va aller comme ça, c'est extrêmement rapide. Donc ça, ce sont les deux vraiment grosses premières, en fait, de cette mission de JUICE qu'on a hâte de voir, d'entendre, dont on a hâte de profiter. Alors, vous avez un petit changement d'image, mais c'est pas très très grave. On n'a toujours pas de son particulier à vous faire écouter, à vous faire entendre. Donc on peut continuer la séance de questions-réponses tout en voyant cette fusée qui devrait décoller maintenant dans 30 minutes et pas 30 secondes. Attention, le compte à rebours que vous voyez en marron n'est pas le bon. Hein. C'est un compte à rebours de début de d'émission, mais pas un compte à rebours de lancement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Tandis que je parle beaucoup, hein. Il commence à avoir mal à la bouche. Alors... Il y a deux jours, le compte Twitter d'Airbus a posté des photos de Jupiter prises avec un satellite d'observation de la Terre. Il y a une raison particulière à faire ce genre de manœuvre? C'est juste pour la promo. Je n'ai pas vu. Honnêtement, je ne suis pas au courant, donc je ne peux pas commenter cette chose. Pourra-t-on observer la sonde lors de son survol de la Terre? Oui, normalement oui. Normalement, elle sera visible depuis des télescopes un peu puissants.
Par contre, elle sera tellement rapide que je pense que ce sera un peu difficile de le faire aux jumelles, quoi. Ou au télescope, on va dire amateur. Pour un truc de suivi, etc. Ça va être un peu compliqué, je pense. Tandis que vous voyez, le show de l'ESA et d'Ariane Espace commence. Alors, vous allez sûrement voir des intervenants. Bon, on ne peut pas y faire grand-chose. Ah oui, oui, il y a toujours la vidéo promotionnelle de Kourou. Donc, voici la vidéo promotionnelle de Kourou. Je ne vous mets pas l'image pour des raisons de droit d'auteur. Voilà, Kourou, centre spatial guyanais, avec une maquette d'Ariane 5. Heureusement, elle ne décolle pas de là, hein, parce que là, les bâtiments, ils prendraient un peu cher à chaque fois. Vous avez des gens qui travaillent chez Ariane Espace, comme cette dame qui présente le centre spatial guyanais, ou ce monsieur qui a un casque bleu, mais qui ne fait pas partie de l'ONU. Eh, mais je le connais, mais dis donc. Bah, bonjour à lui. Bref, le centre spatial guyanais, dont j'ai fait l'historique hein, détaillé il y a quand même quelques années maintenant. Et vous pouvez le retrouver. Ici, vous avez l'ESOC, c'est Darmstadt, c'est en Allemagne. C'est là qu'on pilote les sondes. C'est là qu'on a piloté Rosetta, c'est là qu'on a piloté Huygens. C'est là qu'on pilote des missions, toutes les missions européennes robotisées. Donc ça, c'est en Allemagne, à Darmstadt, c'est près de Francfort, si je ne m'abuse. Un centre très intéressant. J'ai fait une vidéo dessus, sur l'histoire de ce centre et des grandes avancées qu'on y a faites. Là, retour à Kourou, au centre spatial guyanais. Bon, toujours pas grand-chose à en tirer au niveau audio. Et voilà, de nouveau les images en live. Vous voyez que le vent a l'air de monter un peu. Je ne sais pas si c'est moi, mais regardez, le vent a l'air de monter un peu. Intéressant, alors qu'on est à 27 minutes du lancement. Pour le moment, on n'a rien de neuf. Donc là, je suis en train d'écouter les commentaires pour voir s'il y a des nouvelles informations, mais pour le moment, il n'y a rien de très intéressant à en tirer. Vous avez la dame qui présente la salle Jupiter. La salle Jupiter qui est donc à Kourou, où c'est là que sont opérés les lancements des Ariane 5, des Vega C et des Soyuz, si c'est encore le cas. Je crois, avec le conflit, je suis pas sûr, mais... Alors, quelqu'un a un lien sur le document que présentait Vincent, les instruments, les objectifs? Je vous mets un lien qui vous résume tout. Alors, je vous le translate en français, voilà, hop. Voilà. Ah, il n'y a plus de Soyuz, c'est bien ce qui me semblait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Vous avez ici Stéphane Israël, qui est le PDG d'Ariane Espace. Alors, je ne vous mets pas le son, parce que vraiment, bon, c'est Ariane Espace, hein. Voilà. Il n'y a pas besoin de résumer plus, il n'y a pas besoin de détailler plus. Si on trouve des traces de vie avec Juice, on fait quoi après? Bah déjà, ça va changer pas mal de choses, philosophiquement, voilà. Puis ensuite, je sais pas ce qui est prévu, je suis pas scientifique, je sais pas ce qu'il ferait s'il découvrait de la vie sur d'autres lunes. Quelqu'un connaît une chaîne météo très fiable avec toutes les données? Oui, je conseille Météo Blue pour les données météo partout dans le monde. C'est le plus fiable et le plus pro que je connaisse, qui est utilisé pas mal par les gens dans l'aviation, etc. Donc, à utiliser Météo Blue, très fiable. Stéphane Israël, pour le moment, confirme que tout est ouvert pour l'instant au niveau du décollage. Masse de thunes pour des prochaines missions, monsieur Bidouille? Ouais, possible, ouais. Ouais, je pense, ouais. On a une idée du débit pour le transfert de données à cette distance? En fait, ça dépend des sondes, ça dépend des antennes, ça dépend des récepteurs, ça dépend de pas mal de choses, en fait. C'est vraiment au cas par cas. Donc là, comme ça, je ne l'ai pas. Alors, on peut féliciter Ariane Espace d'avoir ajouté cette frise. C'est vrai que ça faisait des années qu'on l'attendait, cette frise, et qu'elle n'arrivait pas. Enfin, ils ont trouvé un moyen de la faire, donc c'est tout à leur honneur. Bravo à eux. Vraiment, ça vaut pas le coup que je vous mette le son. Hein. Je vous le mettrai quand il y aura des bruits de fusée, mais là, en attendant, c'est pas idéal. Voici des images en direct de Darmstadt, en Allemagne, à l'ESOC, au centre des opérations de l'Agence spatiale européenne.
de là où on pilote les missions, où on pilote plus la sonde que la fusée. Hein. La fusée est vraiment gérée par Kourou, mais la sonde est vraiment gérée par Darmstadt. Donc pour le moment, Darmstadt, ils n'ont pas encore tout à fait commencé leur mission. Pas énormément, parce que là, ça va être surtout le boulot d'Arianespace dans les premières minutes qui vont suivre le lancement. Et après, c'est l'ESA, donc l'ESOC, que vous avez ici à l'image, à Darmstadt, qui prendra le relais. Darmstadt qui est donc en Allemagne, mais qui est un centre de l'Agence Spatiale Européenne, où il y a notamment des Français, des Italiens, etc. Un des directeurs de vol est italien, notamment. Que vous voyez ici, Andrea Comazzo, si je ne me trompe pas, qui est le directeur de JUICE, de vol, et qui fait le briefing à ses équipes pour la préparation du vol. Donc concrètement, il explique les procédures à ses équipes. Une personne qu'on a déjà vue sur la chaîne, puisqu'il était directeur de vol aussi sur Rosetta notamment. Désolé pour les bruits de mon chien qui joue avec une baballe derrière moi. Il peut absolument se faire entendre dans le live. Donc il fait toujours son briefing. On peut le mettre, le son, si vous voulez. Mais on l'entend à peine, donc c'est pas... Nous sommes prêts au lancement. Roll call terminé. Ouais, bon, voilà. Ils sont prêts au lancement. Voilà, au moins, vous avez la... Vous avez rien entendu, parce que... Voilà, c'est pas le but non plus que... Qu'on entende clairement, c'est pas, ils font pas beaucoup d'efforts là-dessus, c'est pas très grave, hein. Voilà. Pas de souci. Et on repart à Kourou pour des images en direct. Oula, des petits artefacts sur le live, ça arrive. Oui, vous avez entendu la fin avec le commentateur qui dit « Oui, bon bah ok, ils sont go !» Concrètement, c'est un peu tout ce qu'on a entendu. Donc là, c'est une interview d'une scientifique. Pendant les interviews, je vais vous repasser la trajectoire de la sonde. Hop. Donc ça, c'est la trajectoire prévue de la sonde entre 2023 et sa fin de mission en 2035. Je ne suis pas d'accord, d'Alex. Vous voyez encore des assistances gravitationnelles de la Terre, de la Lune, de Vénus, de la Terre plusieurs fois, hein, pour accélérer la sonde progressivement. Le coût de la mission, il me semble, c'est un peu plus d'un milliard. C'est pas beaucoup. Hein. Elle n'est pas très chère, cette sonde. C'est quelques centimes dans vos impôts. Bah alors, J.W.I.U.M., il y a peu de chances qu'on découvre de la vie avec cette sonde. En fait, cette sonde n'est pas faite particulièrement pour découvrir de la vie, mais peut-être des traces à la limite. Mais découvrir de la vie directement, ça serait compliqué pour elle. Donc le crash aura lieu quoi qu'il arrive, je pense. Mais oui, il y a un risque de contamination, effectivement. Alors, YXX, pour calculer l'orbite d'une planète, il faut des gros ordinateurs ou alors des très bonnes connaissances en maths. On le fait depuis les années 1000... Depuis des siècles, en fait, hein, le calcul des trajectoires. Au point que l'assistance gravitationnelle a été théorisée avant même l'invention des fusées. C'est-à-dire qu'on avait, les calculs de comment faire une assistance gravitationnelle avant l'invention même des fusées. Enfin, pas avant l'invention, parce qu'elles étaient déjà un peu expérimentées, mais avant, on va dire, Soyouz. Pas Soyouz, Spoutnik, excusez-moi. Mais là, on est sur des calculs extrêmement complexes pour JUICE, parce que là, on a des assistances gravitationnelles de malades. Là, vraiment, les calculs pour JUICE sont absolument d'une précision extrême. Et c'est cette précision extrême qui fait que le lancement aura lieu dans une fenêtre d'une seconde. Et qu'il faut le lancer exactement pile poil au bon moment pour être extrêmement précis. Et il faut également que la fusée ait une trajectoire extrêmement précise.
Donc, vous voyez là, là, elle est autour de Jupiter, elle va changer son inclinaison avec quelques poussées de carburant. C'est pour ça qu'on a besoin de carburant une fois arrivé à Jupiter. Oui, la fenêtre est d'une seconde. C'est une fenêtre instantanée, ouais. Oui, clairement. Zéro, une seconde, c'est pas très différent. Mais en fait, partir au bon moment nous fait arriver. Enfin, un décalage de quelques secondes nous ferait arriver avec des décalages énormes et en fait décalerait tout la trajectoire et ferait foirer la mission, en fait. Donc il faut vraiment partir exactement au bon moment. L'orbite autour de Ganymède, ça c'est une première, ça n'est jamais arrivé. Ce sera la première fois que ça arrive qu'on tourne autour d'une lune, autre que la nôtre. Et donc on aura, après l'orbite à 500 km d'altitude, on aura donc le crash prévu de Juice sur Ganymède. En 2035. Et là, vous avez une visualisation qui est vraiment très précise, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de cette façon qu'elle fera toutes ces manœuvres. Retour aux images en direct. Vous voyez que la fusée fume, c'est tout à fait normal. Toutes les fusées fument quand elles se remplissent de carburant. C'est dû à la condensation. Il n'y a pas de problème du tout. Et c'est dommage parce que au moment où on avait donc cette image, tiens, on a deux astronautes. On a Mathias Maurer à droite, Thomas Pesquet à gauche qui sont là pour le lancement. Thomas Pesquet qui a soulevé de la fonte ces derniers temps, on dirait, et qui s'est rasé. Il s'est rasé la barbe. Bon à savoir. Et ils sont en train de se faire interviewer, mais évidemment, il n'y a pas d'astronautes sur cette mission. Hein, la sonde n'est pas humaine. Je vais vous dire grosso modo de quoi il parle, mais en vrai, c'est pas. Ok, il parle de l'apport de la science sur Terre. Bon, ça, on a déjà pris beaucoup de temps pour en parler lors d'autres lives et sur la plupart de mes vidéos. Donc en attendant, je prends des questions. Voilà. Comment vont-ils se mettre en orbite? Bah justement avec les moteurs de la sonde. En fait, la sonde a des moteurs et du carburant. Et en économisant le carburant, en faisant des trajectoires comme ça, d'assistance gravitationnelle, etc., et bah ça lui garde du carburant pour faire ces manœuvres-là. On est maintenant à 16 minutes 32 du lancement. Théoriquement. Pour le moment, on n'a toujours pas d'indication de problème, que ce soit météo ou technique. Je suis toujours en train de vérifier, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Le contrôle de lancement est go au niveau de Darmstadt, donc la sonde est OK. Au niveau d'Arianespace, jusque-là, ils ont dit que tout était go pour l'instant, donc on n'a plus qu'à lancer, en vrai. Est-ce possible de faire des corrections de trajectoire? Oui. Le truc, c'est que en fait, on essaye d'être le plus précis possible, justement pour éviter de faire des corrections de trajectoire, parce que plus on fera de corrections de trajectoire, moins on aura de réserves de carburant pour faire la suite. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment comme une course d'endurance, comme les 24 heures du Mans, où il faut garder du carburant en utilisant l'aspiration des autres voitures ou des choses comme ça, en gérant un peu comme on appuie sur la pédale de la voiture. Donc c'est de l'éco-conduite. Concrètement, c'est Juice et les sondes en général interplanétaires, c'est de l'éco-conduite. Qu'est-ce qui pourrait annuler le décollage? Très bonne question, Malek. Il y a plein de choses qui peuvent annuler un décollage. Ça peut être une raison technique, je ne sais pas, une fuite sur un réservoir ou un problème informatique de contact, de communication. Ça peut être un problème météo, donc par exemple des vents forts en altitude, au hasard. Ça peut être de la pluie, ça peut être des éclairs notamment, surtout les éclairs en fait. C'est ça qui pose problème, des problèmes électriques. On sait ce qui est arrivé à Apollo 12, hein, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos ma vidéo sur Apollo 12 où je parle du problème qu'il y avait eu avec les éclairs. Et puis il y a aussi les intrusions. Donc par exemple, alors c'est un peu moins le cas à Kourou, mais c'est assez souvent. C'est de temps en temps le cas en Floride. Ça peut être un avion ou un bateau qui rentre dans la zone de lancement, accidentellement ou non,
et qui, du coup, fait que le lancement n'est pas sécurisé. Et du coup, ça peut empêcher un lancement. Alors, si vous, je déconseille aux gens de tenter l'expérience de prendre un bateau et, ou un avion et de se rendre dans la zone d'exclusion, parce que les militaires, ça déconne pas. Mais c'est vrai que ça peut être dangereux. Donc, il y a des gens qui regardent les lancements depuis des bateaux, que ce soit à Kourou ou en Floride. Je sais qu'il y a certains abonnés qui sont sur des bateaux en ce moment à Kourou pour voir le lancement. En revanche, ils sont dans des zones où ils ont le droit de naviguer parce qu'il n'y a pas de risque, si par exemple la fusée explose, qu'ils se prennent des débris sur la tête. Comment ça se passe si on n'a pas assez de carburant pour faire toute la mission suite à trop de manœuvres? On finit le plus vite possible la mission? Oui, grosso modo c'est ça, c'est qu'on la mission est écourtée et du coup il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et donc il faut faire des choix, donc il y a des objectifs principaux, il y a toujours des objectifs principaux et des objectifs secondaires. Et selon le carburant qu'on a, selon les réussites des manœuvres, etc., on peut étendre les missions. Si vous regardez ma vidéo sur Cassini, par exemple, Cassini a eu deux ou trois extensions de mission, je crois. C'est assez énorme parce que justement, elle avait un surplus de carburant, elle était en très bonne santé, elle avait marché plus longtemps que sa durée de vie garantie, entre guillemets. Donc, ils ont pu rajouter des choses. Ça a été le cas dans pas mal de sondes d'ailleurs aussi. Hein. Ça a été le cas aussi pour Voyager. Voyager qui était garanti pour aller pour faire Jupiter-Saturne, mais qui n'était pas garanti au-delà de Saturne. Et vu qu'ils avaient réussi le passage près de Saturne, ils ont décidé d'étendre à Uranus et Neptune en objectif secondaire, grosso modo. Y a-t-il déjà eu quelqu'un de blessé par un débris de fusée, navette, satellite ou tout objet du même genre? Pas que je sache. Il y a eu des dégâts matériels, notamment le retour de Skylab sur Terre, qui s'est crashé sur un village en Australie. On a eu très souvent, ces dernières années, des étages de fusées chinoises qui s'écrasent sur des villages chinois. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez répandu, mais pour le moment, on ne compte pas de blessés directs, ou pas que je sache en tout cas. On est à 12 minutes maintenant du lancement, prévu. Faire préciser. On attend de nouvelles infos. Donc là, on a Raphaël Chevrier d'Ariane Espace qui se fait lui aussi interviewer. Je vais passer sur un live un peu plus stable là parce que celui-là n'est pas très très stable. Voilà. Donc là, vous avez la trajectoire prévue de l'Ariane 5 avec sa sonde. Donc ça, c'est les premières phases de décollage. 2 minutes 17, séparation des boosters. 3 minutes 10, séparation de la coiffe. Hop. Ensuite, nous aurons la séparation du premier étage, donc la coupure du moteur principal, puis séparation du premier étage, qui se passera à 8 minutes 45 après le lancement. Ça va très très vite, hein. Les décollages, ça va très très vite. Puis allumage à 8 minutes 49, donc à peine 4 secondes plus tard, du second étage. Second étage qui est tout ce qui reste de l'Ariane 5 en fait, et qui est le dernier boulot, on va dire, de l'Ariane 5, qui va continuer à pousser, et continuer à effectuer la poussée, pour envoyer Juice sur la bonne trajectoire à la bonne vitesse. Puis à 27 minutes 44 après le lancement, on aura la séparation de la sonde d'avec le second étage. Donc à partir de là, Ariane Espace et l'Ariane 5 en général auront fini leur mission. Ils pourront rentrer chez eux, ils pourront aller manger, dîner et sabrer le champagne si ça s'est bien passé. À partir de là, c'est l'Agence Spatiale Européenne qui prend la suite depuis l'Allemagne avec les stations de relais pour s'assurer que la sonde va bien et que, avec l'acquisition de signal de Juice que vous voyez là, à 36-23 après le lancement, 36 minutes 23 après le lancement, où on a l'acquisition de signal de Juice qui dit bon bah je suis là, je capte bien les stations au sol, je vais bien, tout va bien. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le système de tracking, le système de suivi et de communication des sondes avec l'Agence Spatiale Européenne qui s'appelle l'ESTRAC. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur l'ESTRAC. E-S-T-R-A-C-K, là de quelques années, mais elle vous explique ce que c'est et où sont toutes ces stations tout autour de la Terre pour capter et retransmettre le signal des sondes et surtout les données scientifiques, parce qu'il faut les récupérer, les données scientifiques.
Alors, que veut dire JUICE, hein? Je rappelle, JUICE, ça veut dire Jupiter Icy Moon Explorer. Donc, en gros, explorateur des lunes glacées de Jupiter, puisque ça, en fait, le nom résume la mission. C'est plutôt bien fait. Donc, nous sommes maintenant à moins de 10 minutes avant le lancement. Alors, pour ce qui est de la pollution de la fusée Ariane, parce qu'on pose la question, les boosters, oui, sont un petit peu polluants. Encore que c'est fragmentaire, parce que. Enfin, c'est fragmentaire, c'est infime, parce qu'il n'y a pas tant de lancements d'Ariane 5 que ça. Et le moteur principal du premier étage est à hydrogène, donc en fait, il ne rejette que de l'eau. Il ne rejette que de la vapeur d'eau, en fait. Donc, c'est hydrogène et oxygène combinés. Oula! Alors, on nous informe qu'il y a un possible report du tir. Oui, tir reporté. Ils vont nous donner une nouvelle date. On aura la raison d'ici quelques instants, mais le tir est reporté pour l'instant. Enfin, annoncé reporté. À cause des risques de foudre. C'est un des trucs, voilà, c'est la météo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait les risques météo parce qu'on avait un peu de pluie intermittente et que le problème de la pluie et de l'humidité en général, c'est que ça peut générer des champs électriques qui sont très compliqués. Donc actuellement, le lancement est reporté et du coup, on va devoir organiser une nouvelle date de lancement qui sera communiquée très prochainement. Ok, et ils disent qu'elle sera reconduite à une date qui sera précisée ultérieurement, donc on n'a pas, pour le moment, officiellement de nouvelle date pour le lancement de JUICE. Ce sera peut-être demain, dans 24 heures pile. Ça dépendra également de la météo. Donc, le lancement est reporté, lancement reporté. 8 minutes avant le lancement, vraiment, la météo a changé soudainement. Non, mais la météo peut être nulle et en fait devenir très bonne. Et donc, on attend jusqu'au dernier moment pour se dire est-ce qu'on peut lancer ou pas. Là, en l'occurrence, ça ne lancera pas aujourd'hui. Sûrement demain, je vous communiquerai une nouvelle adresse de live avec la bonne heure et on refera le live, du coup. Mais vous inquiétez pas, on y sera. On va couvrir ça ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche aussi. En mettant la cloche, vous aurez la notification quand je mettrai en ligne le nouveau live avec l'heure de lancement. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est... à la prochaine. À demain, 9h40 théoriquement. Donc c'est 9h40 local, donc ça devrait être à peu près la même heure qu'aujourd'hui. Mais sauf que ce sera demain. Voilà. Bon, je vous laisse avec la petite animation prévue et puis, je vous dis à demain. Bisous.